Coucou les chômeurs! Ça dit quoi les frères? Et le programme aujourd'hui, il est simple. On va pas faire un react TikTok. On va faire mieux que TikTok. Je vous jure, TikTok c'est surcoté. Et j'ai trouvé mieux que TikTok. Les vidéos elles sont plus intéressantes. Les réels sur Insta c'est mieux que TikTok. Enfin, en tout cas, les miens. Moi je préfère regarder mes réels que de scroller sur TikTok. En fait, mais pour toi, moi ils sont trop. Toujours les mêmes, ça y est. Alors que les réels, tu passes du coq à l'âne. Je sais pas comment ça se fait. Il y a de tout. Wow! Mais. Alors que les réels, tu passes du coq à l'âne, je sais pas comment ça se fait. Voilà, j'y suis pour rien. Voilà, je sais pas c'est quoi, mec. Pourquoi quand je suis hors live, y'a que des trucs intéressants, y'a que des trucs cool. On va oublier, on a rien vu, on refait. Voilà! C'est ça, normalement, d'habitude que j'ai. Voilà! Eh, moi, c'était ça, moi, que j'avais d'habitude. Pourquoi en live, ça change? Voilà, une daronne qui lève un quad. Jurie, c'est pas mieux que TikTok, ça? Mais pourquoi j'ai que des orties, des trucs comme ça, des voilés qui font du cross, du quad. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. Désolé, je suis obligé de regarder, j'ai envie de savoir s'il va marquer ou pas. Allez, salam, ciao. Voilà que je savais pas au cas où, parce que c'est grave suspect la réaction que j'ai eu. Grave louche, on dirait un jeu d'acteur tellement. Oh, je regardais à gauche, je me retourne, je vois, il y a un ballon, il arrive dans ma tête. Ouais, j'ai flippé. Non, moi je pensais vraiment que ça allait être une vidéo foot. Il y en a plein, ils font des vidéos, ils mettent des lucarnes et tout. Avant les matchs, comment tu gères la pression? Quand je vais à l'entraide. Avant les matchs, comment tu gères la pression? Quand je vais à l'entraide. C'est qui elle? Qui la connaît? C'est qui? Entraînement, et quand je vais en match, c'est pareil. Je ne mets pas de pression particulière, je me dis ça reste du foot. C'est quoi la chanson que tu préfères écouter avant un match? C'est Ambassadeur. C'est qui elle? T'es qui toi? Pourquoi elle a le maillot de la France? Voilà, nous on veut des trucs comme ça, nous. On veut du content. Quoi? Mais attendez, je regardais pas. Mais c'est un montage. Je suis con, moi j'y ai cru. C'est un montage là. On est. Ah oui, wesh, il est en pâte à modeler. Ah, j'y ai cru, voilà. Ah, c'est Freezer. Voilà, j'ai eu peur. Oh là, j'ai eu peur. On sait jamais avec les réels maintenant. Là, j'ai paniqué. Avec la musique de la Wii. De Wii Sport. C'est frotté la tête comme la pub de Vivel Dope. Je sens la dinguerie venir. Fixation béton. Voilà. C'est le Meryl qu'on a vu. Voilà, je le like. Wesh. Wesh, j'ai quoi. Je comprenais pas les bruitages au début. J'ai compris quand il a mis le coup. Et je vais les liker tous ceux qui sont drôles, comme ça, ça met des trucs drôles. C'est une dinguerie que lui, il arrive à faire une traction. Et moi, j'arrive à en faire 2-3 max. Et j'arrive pas à faire traction. C'est mon point faible, je sais pas pourquoi. T'as vu les tractions? Ça fait. C'est quoi? Il va en faire 3. Même pas une, c'est tout. Madame Zouche, Madame Zouche, Madame Zouche, Madame Zouche, Madame Zouche, Madame Zouche. Je viens de capter. Madame Zouche, Madame Zouche, Madame Zouche, Madame Zouche, Madame Zouche. Ma petite moumoune, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais des regards coquins, des regards malins. Tu veux qu'on passe des étapes? Oui. Qu'on se marie à la mairie ou... Mais il parle à qui là? C'est le Chagoumi. Faut choisir. Dépêche-toi. Miam! Miam! Comment ça, miam? Wesh! Wesh! Tête de Wam! C'est moi la femme là! Je me disais, je l'avais déjà vu cette vidéo.
Il a fait la même tête, voilà. Salut à tous, mes parents ils sont partis. Ils sont partis faire les courses à quelque part. Du coup, on va s'enfuir avec mon pote qui filme. C'est parti. Alors, on va un peu comme ça. On tourne la clé, on attend 2 minutes. Enfin, non. Voilà, 2 minutes. Il va se passer quoi? Ça. C'est dur ça. C'est bon comme ça. Je vois pas où elle va venir la vidéo. Normalement j'arrive à pré-shot un peu. Ah mais je viens de capter pourquoi il écrit la mise en scène qui tourne mal. Parce que c'est le daron qui filme en fait. Ah ouais. Pour ce daron. Ouais. C'est vrai? Non, mais après, nos jours on peut faire trop de montage. Maintenant j'arrive pas à discerner une vraie vidéo d'une fausse. Ah mais non, je crois que c'est un jouet. Je crois que c'est un jouet. Il y a des jouets, genre c'est des têtes d'alligator et tout, et ils bougent dans l'eau. Ok, on va décortiquer la vidéo. On va regarder si l'alligator, quand il bouge comme un jouet ou comme un vrai alligator. C'est un malade lui. Bah je sais pas. Ça, je sais pas. Je m'y attendais pas, voilà. Hey, c'est incroyable. Hey, c'est la vidéo, pas de l'année, mais elle fait partie du top 20 des meilleures vidéos du monde. Oh, je sais plus, la chien, il aboie, frère. C'est ma grand-mère, c'est la chamarre. Ta grand-mère, elle aboie, oui. Ma grand-mère, elle tousse, elle est malade. C'est ta grand-mère, elle aboie, il est incroyable. Ah mais je l'avais déjà liké en plus. Vous savez que lui, après, Allahu alem, je vais pas dire des trucs si c'est, je suis pas sûr, mais je crois qu'il m'a volé ma vidéo. Parce que cette vidéo, en gros j'ai vu un mec au state la faire et je l'ai faite. Parce que pour ceux qui savent pas, je l'ai déjà faite cette blague hein, sur une vidéo TikTok. One shit. Touchette. Et moi j'ai volé ça d'un mec au state. Et lui, il a sorti mais grave après. Ah je suis con, peut-être il a juste vu le même mec que moi. Je suis un ouf moi. Parce que j'allais dire lui, il m'a copié moi qui a copié un mec. Mais en fait il a peut-être juste vu le premier mec lui aussi, c'est tout. Ouais voilà, je suis trop con. Du coup le voleur vole, du coup on est tous des voleurs sauf le mec des state, le premier. Jurez ce son, il vient de cette vidéo. Wesh, je savais pas. J'ai appris un truc de fou. Venez Retail Row, venez Retail Row. Il est trop sur sa crispy. On va attaquer où Retail Row? Putain, je sais pas les gars, venez vite. Ça fait quoi de se faire fumer? Ça fait quoi? Tu peux pas tenir mon gars. Eh ouais mon garçon. Tu peux pas tenir, c'est dans le rétro ta place. Attends, on va attendre qu'il vient. On va attendre qu'il vient, c'est mon gars lui. Attends, c'est ton gars lui hein. Tu peux pas tenir garçon. Regarde, il est pas d'accord. Dis-leur que tu peux pas tenir. Tu sais ce qui me fait tenir? Fais quoi que je peux faire? En gros c'était la BAC, c'était la police. Et celle-là. Mais c'est à cause de cette vidéo que j'ai voulu regarder toutes ces vidéos à ce mec après. Et celle-là, c'est la vidéo qu'il a faite. C'est le meilleur moment de toutes ces vidéos réunies. Et là, c'est quoi ça hein? C'est quoi ça? Tu m'as caché là? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as caché là? Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non! 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 Tu m'as caché ou non? Non! Tu m'as craché sur la tête! Ah non, mais elle est pas en entière, dommage! Ah wesh! Mais c'est ouf, Lioal! Comment il a réussi à passer? Comment il a réussi à passer là déjà? Voilà, c'est incroyable! Oh putain! Allez hop, un like! Wesh! Wesh! Il enterre! Imaginez! Voilà, ça, je suis fatigué! Imaginez, vous réveillez, vous voyez des gens vous enterrer! Et vous, votre tête elle doit bugger, vous dites peut-être je suis mort et genre c'est juste moi je les vois et... Oh, Inch'Allah, il y a un homme au cas. Oh, c'est un truc de la vie. Oh, ouais, c'est un truc
Wesh. Ils jouent bien le jeu, personne rigole. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, venons, on s'arrête sur ça. Vas-y les frères, prenez soin de vous, ciao, merci encore à tous ceux qui sont là. Je vous jure, je vais prendre la grosse tête un jour de me dire qu'à chaque fois que je reviens, vous êtes là. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai plus besoin d'être actif, ça y est, j'ai plus besoin de garder ma commu, elle est toujours là. Allah ibérique, vous êtes une commu de fou en vrai. En plus, c'est live en ce moment, on va pas se mentir, il pue la merde, non. Et ça se voit les lives quand je live juste pour faire genre je suis encore là que les vrais lives. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais ça va reprendre, on va reprendre notre humeur, notre vibes. Je parle comme un putain, j'ai envie de me cracher dessus. Bon, bref, prenez soin de vous, ciao. C'est quoi, on va faire le moralisateur, comme tous les streamers ils vous font à chaque fin de live, ils disent des trucs moralisation. Oubliez jamais d'être gentil avec les animaux. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'oubliez pas qu'un chien avant tout, ça a un cœur, ok? Ça a beau s'appeler un chien, ça mérite. Hey, je m'en bats les couilles de ton message. Let's go. Je réponds jamais. À jamais ma famille d'abord comme Michael et Janet. Tu me demandes mon streamer préféré, je réponds jamais.